Bonjour les amis, bienvenue sur l'un des plus beaux balcons sur la Méditerranée. Bienvenue en Corse pour ces nouvelles échappées belles. Je ne me lasse jamais de revenir sur l'île de beauté qui me donne toujours un peu l'impression d'être au bout du monde. Je suis en tout cas très heureuse d'être ici avec vous. Sur les quelques 360 communes que compte l'île, nous allons partir ensemble à la découverte de quelques-uns des plus beaux villages de Haute-Corse. Point de départ, la Balagne, le jardin de la Corse, et nous sommes très attendus dans le charmant petit village de Pigna qui se trouve juste là. Allez, c'est parti! Pour bien apprécier la Corse, on va faire tout simple, juste associer le mouvement et la respiration. Il faut d'abord revenir aux fondamentaux. Cette balade silencieuse, ça permet aux gens d'écouter beaucoup plus. Quand on ne parle pas, on écoute. Et quand on écoute, on se ressource. Je pense qu'on ne regarde bien que ce qu'on a compris. Donc il faut éduquer le regard et réveiller un petit peu la conscience des gens sur ce patrimoine. Et voilà, bienvenue dans les villages corses. Et là, on est en train de monter à Fumina, qui est un village qui est assez atypique. Aujourd'hui, c'est devenu un village, on va dire, fantôme. Oh là là, mais quelle vue! Le village, pour nous, c'est très, très important. On ne se voit pas travailler ailleurs que chez nous. Ça clone pour dire aux gens que ça y est. Je pense qu'ils ont bien compris, là, non? Tu crois? Ouais. Bah, écoute. Dans des paysages irréels. Ben ça se donne vraiment des petits airs d'Irlande, un peu, même d'Écosse. Ouais, on a l'impression d'être ailleurs. C'est un autre monde encore. C'est encore des territoires sauvages et peu prospectés. Je tiens à les partager, mais je tiens aussi à les préserver. Donc je les montre en essayant de faire garder le secret. Sophie Jevillard découvre pour nous ce patrimoine unique. C'est inimaginable. Dans la vie de quelqu'un qui restaure, ça c'est quand même assez exceptionnel. Je donne des notions à ces jeunes pour qu'ils respectent les endroits et d'essayer de les transmettre aux générations futures dans l'état dans lequel ils les ont trouvés. Où chaque village est un nouveau voyage. Oh là là, vous sillonnez les chemins, tout, la route, et les beaux villages de Corse. Oh, il n'y en a pas ça, on ne vit plus. Arnaud, c'est quand qu'on cueille les melons? Ils m'ont l'air déjà beaux. Non, on va attendre un peu encore. Ils sont pas. On va laisser jaunir un petit peu, mais par contre, tu peux les retourner. Ah, oh, mais c'est génial! Angélique! Bonjour! Salut! Ça va et toi? Ouais, très bien! Tu l'as trouvé facilement? Bon, écoute, c'est assez facile à trouver en fait, hein, Pigna, parce qu'il suffit de quitter l'île Rousse, de prendre cette jolie route là, qui est absolument et magnifique. T'as vu l'arrivée sur le village, comme c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau! On a l'impression que c'est un peu un nid d'aigle, ce village. Le village au volet bleu. Et toi, tu habites hein, dans ce village? Ouais, j'habite dans le village, ouais. Depuis pas longtemps, ça fait que 2 ans. Mais j'ai été tellement bien accueillie. Les gens qui vivent ici, ce jardin magnifique qu'on nous a laissé pour cultiver. Mm-hmm. C'est vraiment une volonté du village de relancer toutes ces terres. Et donc, ils ont créé une association il y a 10 ans, qui s'appelle Orto di Qui. Et ils nous ont proposé, voilà, ils nous ont laissé des petits morceaux, chacun à 50 mètres carrés, pour cultiver. Donc, ça a été une expérience toute nouvelle. Alors, qu'est-ce que tu as de beau? Il y a les petits melons qui arrivent, les petits bébés melons. Là, il y a les carottes. Uh-huh. Et là, j'ai planté des patates et j'aimerais bien les récolter. Tu veux qu'on essaye? Ouais. Timon, tu peux ramener la pelle? Ouais. La petite pelle, on va regarder s'il y a des patates. Parce qu'on m'a dit... Salut Timon! Voilà ton grand fiston. Ah oui, je te présente Timon. Salut. Sophie. Il est beau ton fils, hein? Merci. Allez, voyons. Si tu trouves un petit trésor. Essaye. Je serais trop contente parce que c'est la première chose qu'on a plantée. Ouais. En hommage à mon grand-père. Ah. Parce qu'on passait l'été, j'ai des beaux souvenirs à cultiver, à ramasser les patates. Alors, qu'est-ce que ça donne? Mais elle est magnifique, regarde! Elle est belle! Elle est en forme de cœur. Si c'est pas un signe, ça. Arnaud, t'as vu notre patate? Pas mal, hein?
ça représente bien un petit peu le partage et la fraternité qu'on peut avoir sur le jardin. Oui, c'est vrai. Hein, et ce serait pas le symbole du jardin, ça? Ouais, ça pourrait pas mal pas l'empaler. Hein, mettre... C'est un peu comme le symbole de pigne, hein. Tu sais, la pomme de pin. C'est ça. Ah oui, c'est vrai, pigne, c'est pomme de pin, c'est pas une pomme de terre, c'est vraiment pomme de pin. Oui, hein. En fait, pigne, c'est comme un diamant qui a plein de facettes. Il y a la facette culture, nature, artistique, artisanat, bien-être aussi qui se rajoute. Voilà, mais je vais te montrer, on va y aller. Fais-moi découvrir ce diamant et puis peut-être qu'on se reverra, nous. Hein, à plus tard. Ciao. Ciao. Je suis très heureuse d'avoir choisi Pigna comme premier village à découvrir en Haute-Corse parce qu'il est vraiment absolument charmant, très bien conservé. À quand remontent ses origines? Au 9e siècle. Ah ouais. Et j'imagine que les premiers habitants ne se sont pas installés là par hasard. Et non, parce qu'il y avait la vue sur la mer, on est en hauteur voilà, pour se protéger des assaillants. C'est pour ça, hein, je disais qu'il y avait un côté un peu nid d'aigle, mais c'est le cas. C'est probablement l'un des plus anciens villages de Corse, non ? C'est l'un des plus anciens, avec Sant'Antonino juste à côté. Ouais. En tout cas, je comprends qu'on puisse avoir un véritable coup de cœur comme toi pour ce village, parce que je vois qu'on a pris soin. Tout est indiqué comme ça, rien ne dénote en fait. Hein. Tout a été choisi, orchestré par Tony Casalong. C'est pour ça qu'on trouve cette harmonie au niveau des couleurs. Et puis, il y a vraiment une osmose entre tous pour continuer dans cette même voie. Parce qu'on aurait pu mettre ce village sous cloche, mais en fait, pas du tout, c'est un village vivant. Il y a combien d'habitants, là? On est une centaine d'habitants. Il y a des restaurants, il y a les artisans qui produisent ici toute l'année et qui vendent leur production. Donc, c'est vraiment un village vivant. J'ai l'impression de me balader dans une médina, là, ici. C'est vrai que moi aussi, avec toi, je redécouvre le village et plein de petits secrets. Et tu voyages? Oui, je voyage. Et tu vois cette montagne? Juste en face, là? Oui, c'est le mont Sant'Angelo. On est sous sa protection. L'ange ? L'ange, le mont Saint-Ange. C'est beau, c'est très beau, comme cette vue-là qu'on a devant nous. J'imagine que c'est source d'inspiration, hein, un panorama comme ça. Ah ben là, tu vois Algajo, là, du coup, toute la vallée. Ouais. Et donc, ben voilà, on a cet horizon qui s'ouvre et puis ce lien à la mer. Et je te propose de me rejoindre demain matin. Je donne un cours de yoga sur paddle, juste là. Attends, alors yoga, je comprends, paddle, je comprends, mais yoga sur paddle, j'ai un petit peu de possible. Mal. C'est possible. C'est possible. Oui. Ok, ben tu me montreras ça demain. Avec plaisir. Les Corses sont presque autant attachés à leur village qu'ils le sont à leur famille. Alors, tout naturellement, chaque été, pour tous ceux qui vivent dans une grande ville de l'île, comme pour ceux qui sont partis sur le continent, sonne l'heure du grand rassemblement. C'est bon. Chaque année, les Castellani se réunissent à Calacuccia, au centre de la Corse. Il est toujours là-bas. Jean-Baptiste, le grand-père, mène les opérations. Avec un brin d'excitation. Dans quelques heures, le patriarche attend près de 40 membres de sa grande et belle famille. Je revis. Et d'autant plus que ce soir, il y en arrive deux d'Alsace. Alors, je suis très content, je suis heureux. Le retour au village, chez nous, c'est, on va dire, une obligation. On ne revient pas que pour se faire enterrer, on revient aussi pour profiter des bonnes journées, de nos bons repas et de notre belle ambiance. Frères et sœurs, cousins, cousines, des retrouvailles chaleureuses. Et pour lancer les festivités, Jean-Baptiste a une arme secrète. Un produit qui a le goût du pays. Ici, les jambons, ils sont tous bons. Et celui-là, il est un peu épais parce que je savais que j'avais du monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut goûter? Eh, tiens, ma chérie. Après, ne me dis pas qu'il n'est pas bon, hein? Parce que sinon, je fais mauvaise figure, moi, hein? Ah, ça, c'est pour moi. Ah non. C'est là. Pendant que la fête se prépare, Elisabeth et ses cousines s'offrent un petit tour du village.
Un rituel pour celles qui vivent toute l'année à Paris, presque un pèlerinage. Voilà, les vieux souvenirs. Notre plaisir, c'est quand ils arrosaient les jardins, donc l'eau coulait. On va avoir 6-7 ans. Et on faisait tout le village comme ça, en descendant les pieds dans l'eau. Notre bonheur. Non, on a des souvenirs, mais de folie, avec vous, avec en bas, ici, ailleurs. Non, c'est... Gosse, c'est la liberté, le village. Ah oui. Tu cours partout, oui. Et du coup, c'est ce goût-là... Il y a une protection. Que tu gardes. Oui, on nous a transmis des choses et on est... oui, c'est une famille. Moi, c'est essentiellement la famille, avec tout ce que ça comporte. C'est la famille, c'est les anciens. C'est les anciens. C'est les parents qui sont enterrés là. C'est ça, c'est tout ça. C'est ce qui fait ce qu'on est, quoi, notre identité. Oui, on est Corse, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Et le retour au village, il est nécessaire, mais il est aussi nécessaire que je m'en aille. Cette parenthèse estivale se passe pour beaucoup autour de la table. De toute façon, je ne comprenais pas ce qu'il disait, donc comme ça, j'étais tranquille. Hein. Les jeunes cousins ont plaisir à se retrouver et à savourer les produits du village, comme le saucisson, impossible à trouver hors de l'île. Jean-François vient de passer 2 ans à Nice pour ses études. Ses saveurs lui ont beaucoup manqué. Tous les dimanches, j'arrivais à Nice, je faisais goûter un peu la saucisse à tous mes camarades au lycée. Et vraiment, ils attendaient ça aussi. Hein. On coupait, je coupais, je leur donnais. Enfin, vraiment, ils attendaient ça. Et moi, ça me rappelait un peu le pays, quoi. Parce que là, au bout d'un moment, on trouve pas ça là-bas, ça commence à monter à la tête. Hein. Quand on n'en trouve pas, non, c'est compliqué quand même. Jean-Marc, l'un des cousins, est né et a longtemps vécu à Paris. Son rêve de refaire un jour sa vie au village est devenu réalité. Aujourd'hui, il emmène ses nièces à la découverte des plantes du maquis. Tu vois, regarde. Alors ça, c'est l'immortel de Corse. Fais comme ça dans tes doigts et tu sens. T'as vu comme ça sent bon ? Si Jean-Marc connaît si bien ses plantes, c'est qu'il en a fait son nouveau métier. Il est désormais distillateur à Calacuccia. Ses liqueurs et eaux de vie charrient les parfums des montagnes de Haute-Corse. J'ai voulu créer quelque chose ici pour valoriser les produits de l'intérieur. Donc j'ai commencé par un apéritif. Ça, c'est la base de l'apéritif. Donc c'est la prunelle sauvage. C'est des vieilles recettes de grands-parents qu'on a remis au goût du jour. Donc il y avait une base et puis après, on essaye de faire des assemblages. Donc moi, sur l'apéritif, donc la base principale, c'est la prunelle sauvage. Et après, les baies de genévrier. Le village, pour nous, c'est très, très important. C'est en soi, hein, on sait que on ne se voit pas travailler ailleurs que chez nous. Donc voilà, moi, j'ai fait ce choix-là. Voilà, je suis content. Voilà, regardez ce qu'on voit. Voilà. Ces paysages sauvages et cette ambiance de tribu touchent aussi les jeunes générations. Les plus beaux souvenirs d'été se forgent ici, à la rivière. Les castellanes y reviennent dans ce même petit coin de paradis, un secret bien gardé. Alors, à l'âge où les adolescents fuient parfois les parents, ici, personne ne manque à l'appel. Passer des vacances sans mes parents, oui, l'été, non. Loin de la Corse, non plus. Donc non, vraiment, ici, on est bien... Il y a un peu tout ce qu'on veut, il y a un peu de tout. Hein. Regardez, les enfants, là, ils peuvent nager là-bas, il y en a qui peuvent sauter ici. Ah, c'est de la liberté, moi je dirais un peu de tradition quand même, parce que nos parents sont venus ici, nos grands-parents sont venus ici, enfin il y a vraiment tout le monde qui est venu ici, et nous on perpétue un peu ça. On fait profiter les enfants et on essaye de leur montrer certaines choses que nous on fait depuis 20 et 30 ans, qu'eux aussi s'imprègnent un peu de cette chose pour en profiter comme nous. Ce que j'essaie de leur donner, de leur faire vivre des souvenirs entre eux et avec nous, les adultes. Pour eux aussi, la même chose, transmettre à leurs futurs enfants, s'ils en ont demain, pour leur montrer ce que c'est. Ces journées passées au village créent des souvenirs pour la vie. La famille a beau être dispersée dans toute la France, chacun sait que l'été prochain, il retrouvera ce parfum de vacances. On se trouve où là exactement? On est dans les îles d'Île Rousse, hein? Isola Rossa. Rousse peut-être au coucher du soleil. C'est ça. Elles deviennent toutes rouges. Donc le paddle, je m'en sors pas trop mal.
Le yoga, j'aime beaucoup. Alors, j'aimerais bien que tu me permettes d'associer les deux. Une petite posture sur la tête, ça te dit? Peut-être pas tout de suite. On va faire tout simple. Juste associer le mouvement et la respiration. Mm-hmm. La base. Allez. Et tu vas venir comme plonger à l'avant. Du padage. Étirer ta colonne. Les doigts qui marchent vers l'avant. Tu profites de ce petit temps de relaxation qui est aussi important que les postures. Et puis à la prochaine inspiration, on se redresse à quatre pattes. Et c'est la jambe gauche qui s'étend à l'arrière. Et si c'est OK pour toi, tu inspires. Et sur l'expiration, tu essayes de lever ton bras droit. Inspire le genou et le front qui se rejoignent. Avec les deux mains qui se posent. Pose tes mains, pardon. Et le genou se pose. On va faire la même chose de l'autre côté, comme ça on sera bien équilibré. Allez. Et pour terminer la séance, petit salut de remerciement à l'élément eau. Une belle inspiration. Et une grande expiration. Merci Sophie. Ah non, merci à toi, vraiment. Merci pour ce moment suspendu là. Oh, quel plaisir d'être là avec toi, vraiment. Ça fait un bien fou, tu sais. Vrai ouais. Tu te sens ouais. Bien. Je comprends vraiment pourquoi tu aimes venir ici. Parce que tu organises des stages bien-être ici. C'est ça, des journées d'Oshé Saibiniste. Douceur et bien-être qu'on propose le matin de yoga. Ensuite, il y a un atelier chez un artisan, donc verrier, potier, peinture. Des ateliers aussi pour les enfants à la boîte à musique. Et des soins, après-midi, massage, soins nutritionnels. Et tout ça, ça se passe à Pigne, dans des petits lieux magiques. Mmh. Et je crois qu'il manque des gens à rencontrer à Pigne. Hein. Plein. Donc on va peut-être y retourner au village. Hein. Oui. Allez. J'aimerais bien te faire découvrir quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Dominique Franceschini. D'accord. On est juste devant le Palazzo. Ah, bonjour, voilà le maître des lieux. Bonjour. Dominique, vous êtes présenté Sophie. Bonjour Dominique. Bonjour. Voilà, bien écoutez, je vous présente aussi ma maison. Ah oui, voilà, jolie maison. Hein, qui est un personnage alors aussi du village. Hein. Ah, c'est une vieille dame. voilà, c'était la maison de mon père et de mon grand-père. Voilà, c'est une maison de famille. Que j'ai transformé en hôtel. Ah ouais. Voilà. Et tu as des souvenirs d'enfance, toi, ici ? Alors, quelques petits souvenirs, oui, puisque moi, je suis né dans cette maison. Ah ouais, ah ouais. Je suis né juste à l'étage au-dessus. La fenêtre qui est là ? Voilà, tout à fait. C'est émouvant, et, ça. Bien, je suis le dernier de la famille à être né dans cette maison, voilà, il y a quelques années. Ah ouais, je comprends l'attachement. Hein. Ouais, tu sais comment ta famille est arrivée là, du coup ? Alors, l'origine de ma famille, c'était des Romains. Ouais. Donc, ils venaient de Rome, comme beaucoup de vieilles familles ici en Corse venaient essentiellement de Rome. Et voilà, ils étaient envoyés par le pape à l'époque pour justement gérer un petit peu le village. D'autant plus qu'à cette époque-là, on disait que la Balagne était le grenier à blé de Rome. Même si aujourd'hui, on ne voit plus une trace de tout ça, c'était un jardin pour Rome. C'est chic, ça, comme histoire dans une famille. Hein. Écoutez, maintenant, si vous voulez, on peut passer de l'autre côté de la maison et boire un citron pressé du jardin, si vous le désirez. Avec grand plaisir. On y va. Sur la terrasse, côté mer. Oh là là, mais quelle vue! Ah, ça fait plaisir. C'est superbe, hein, superbe. Oui, je comprends mieux un peu le rôle de surveillance, hein, finalement, qu'il y avait ce village et cette maison. Qu'est-ce qu'ils produisaient ici? Alors, essentiellement, c'était la culture des oliviers et de l'huile d'olive, donc qui était la richesse à la fois de la région et de la famille. Ouais.
Merci beaucoup. Merci. Il y en a des vestiges, non? J'ai l'impression, là, quand on est passé. Là, du reste, on vient de traverser l'ancien pressoir de la maison. Il reste encore une meule et des anciennes presses. Mm-hmm. J'ai l'impression que ça revêt une importance quand même particulière, justement, de faire revivre son village, hein, et que ces pierres parlent à nouveau. Ah, c'est sûr, ouais. Hein, c'est quelque chose qui prend aux tripes, ouais. Et puis au cœur, oui. Bien sûr. Mais là, écoute, c'est une réussite. Parce que c'est vrai que c'est un bel endroit, ici. Moi, je me sens bien ici, dans ce village de Pignes. Mais bon, il faut que j'aille visiter un peu les environs. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire ici? Alors, un incontournable, bien sûr, c'est le couvent de Corbin, qui est un site exceptionnel au pied du Mont-Saint-Ange. Et du reste, bah, à cet effet, j'ai des souvenirs d'enfants où j'allais dans le cloître voir toutes les petites tortues. Et je peux y aller de ta part? Oui, absolument. Donc, et demander le père Olivier Marie, qui voilà, est le supérieur du couvent. Parfait. Et je regarderai s'il y a toujours des petites tortues. Bon, je pense que oui. Bon, j'y vais, mais je reviendrai vous dire au revoir. La Corse est une des destinations préférées des Français. Ses paysages somptueux et son eau cristalline attirent chaque année 3 millions de visiteurs. Malgré cet afflux, l'île de Beauté compte bien des trésors à l'abri des foules, mais qui ne se laissent pas facilement approcher. Jean Valère n'est pas du genre à passer sa journée allongé sur sa serviette. Son truc à lui, c'est le paddle, version sportive. Bon Alex, t'es prêt à ramer? Ouais. Hein? Bon, on va être un peu aidé par le vent pour notre balade dans le cap. Et bon, on a une petite rame à faire quand même. C'est parti! Allez! Allez! Jean-Valère Bordenave est un pionnier des sports de glisse en Corse. En surf ou en paddle, depuis 30 ans, il explore les plages, criques et falaises de son île. Aujourd'hui, il emmène un ami visiter les joyaux de la côte orientale du Cap Corse. Alors ces tours ont été bâties entre 1500 et 1600 par la République génoise face aux invasions barbaresques et maures. Ce sont des tours de guerre. L'été, c'est aussi le moyen d'avoir des endroits encore préservés, d'être un petit peu loin de la foule et se régaler par beau temps, découvrir tout ça par beau temps, mais sans vagues, avec par le biais des surfs debout à la rame. Avec un peu d'huile de coude, le paddle permet d'aller partout, là où la Haute-Corse dévoile ses coins de nature les plus secrets. Dans l'île, il y a des endroits qui peuvent vraiment nous étonner encore et je les ai découverts déjà du côté de la mer. Je les connaissais du côté, on va dire, côté terre, mais voilà, là j'ai fait vraiment une grande découverte. C'est encore des territoires sauvages et peu prospectés. Je tiens à les partager, hein, parce que c'est quand même des choses qui participent au bonheur. Hein. Mais je tiens aussi à les préserver, donc je les montre en essayant de faire garder le secret. Qui dit montagne corse dit pente parfois abrupte. Depuis quelques temps, les VTT électriques ont fait leur apparition sur les petits chemins de l'île. Un coup de pouce pour les amoureux de la nature découragés par les ascensions vertigineuses. La pointe de Spanou offre de majestueuses balades sur des sentiers délaissés par les promeneurs. Le VTT électrique l'a rendu bien plus accessible. La pratique, elle se fait avec de plus en plus de membres parce que justement, ils découvrent le plaisir de pouvoir être ensemble, de se retrouver entre copains qui n'ont pas forcément le même niveau de pratique, mais qui arrivent à être ensemble, à partager un moment. Et on a cette diversité de paysages. On traverse des plages de galets, des plages de sable fin, des rochers. Enfin, on a tout type de terrain sur lequel on peut pratiquer et s'épanouir. La Corse est magnifique, donc on profite un maximum des paysages. Le désert des Agriates. Un nom qui évoque l'aventure et les grands espaces. Un climat aride,
une végétation hostile et des taches d'ombre bien rares. A priori, pas vraiment l'endroit rêvé pour une promenade. Allez, go! Comment on dit en Corse? Andemo. Sauf si vous savez comment l'approcher. Accompagnateur en montagne, Vévé s'est pris de passion pour cette région qui était autrefois le grenier de la Corse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cet endroit? Le soir, quand la température tombe et que le jour rougit, c'est l'heure idéale pour aider les enfants à percer les mystères des agrias. Il peut y avoir des serpents là-dedans? Non, il n'y a pas de serpents. On n'a pas eu besoin de faire, comme on fait pour faire une maison normalement, de faire quatre murs. Regardez, c'est très simple. Hop, on s'est servi de la grotte, on a fait un mur devant. Et ça s'appelle une maison troglodyte. D'abord, j'essaie de donner quelques connaissances des endroits où nous allons nous promener. Mais aussi, j'interviens aussi dans une logique de développement durable. C'est-à-dire que je donne des notions à ces jeunes pour qu'ils respectent les endroits et d'essayer de les transmettre aux générations futures dans l'état dans lequel ils les ont trouvés. Le sentier débouche sur une dune de sable et réserve une dernière surprise aux randonneurs. T'as vu comme c'est beau? Ça te plaît? T'as vu les couleurs, etc. Regarde, le soleil, regarde la réverbération. La plage de l'Ostricogne aux dernières heures du jour. Même ceux qui vivent sur l'île et la parcourent toute l'année se laissent charmer par ce tableau vivant. Moi, j'ai la quarantaine, j'ai plein d'endroits comme ça où, que je découvre encore et que je connaissais pas il y a quelques années de ça. Bon, un peu plus les agréates parce que c'est vraiment un coin particulier pour nous en Balagne, mais il y a toujours des coins assez particuliers à découvrir et un peu sauvages encore. La Corse compte en tout 7 réserves naturelles. Autant de paradis terrestres à explorer. Bonjour mon père. Bonjour, bienvenue. Merci, merci. C'est Dominique qui m'envoie. Ah oui, très bien. Il avait dû vous prévenir, non, de ma visite. Exactement. Oh, puis ça tombe bien. Finalement, c'est comme un signe. Ma Dominique dans le couvent Saint-Dominique. C'était tout naturel que je vienne ici. Tout le monde le connaît, j'ai l'impression que c'est un peu un point de repère pour beaucoup de gens ici, ce couvent. Bien sûr, parce que c'est un couvent qui a 6 siècles d'histoire. Oui. Je suis là, ça fait 20 ans, et je suis très heureux ici. Oui, en 20 ans, ce couvent a dû aussi énormément évoluer. On a beaucoup fait pour mettre en conformité, pour accueillir les familles, pour accueillir les personnes qui viennent se retirer, pour se recueillir. Quand on peut venir séjourner en famille venir chez séjourner. Vous, participer au... Alors, pendant, tout au long de l'année, en fait, pour des vraies retraites silencieuses, prêchées. Soit individuel, soit en communauté. Est-ce que vous permettez, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à faire, mais est-ce que vous permettez que je profite un petit peu seule de ce lieu, même en votre absence? Bien sûr. Merci beaucoup. Un cloître, c'est ouvert sur le ciel, c'est à l'image de notre esprit. Voilà une bien jolie petite famille. Bonjour. Vous séjournez ici? Oui, oui, pour la semaine. D'accord. À quoi ça ressemble alors une retraite comme ça en famille? Parce que là j'ai l'impression que vous rentrez de la plage. Voilà. On est quand même, vous êtes quand même vacancier, hein, c'est ça? C'est à la fois une retraite et des vacances. Donc le matin
Les adultes vont avoir des enseignements avec les frères de Saint-Jean. Pendant ce temps-là, les enfants ont des enseignements aussi, des petits groupes. D'accord. On se retrouve tous ensemble pour les moments de prière ou la messe tous les jours. Donc ça, c'est les moments forts avec les frères. Et ensuite, on a effectivement un temps libre. On peut aller à la plage, visiter les environs qui sont magnifiques. Donc c'est une bonne formule quand on vient en famille. Pour se ressourcer spirituellement. Petit occasion de rencontrer d'autres familles, ouais. Pour les enfants, de se faire des amis. Oui, c'est assez joyeux, là, je vois que les enfants jouent entre eux. Parce que vous avez trouvé l'endroit idéal. Hein. Je vous laisse tranquille en famille. Passez une bonne journée. Hein. Merci. Au revoir. Merci, merci. Bonjour Hugo. Bonjour. Bonjour. J'arrive du couvent là de Corbara, je savais. Belle promenade. Ici, ouais, c'est joli. Tu connais? Oui, très bien. Ouais. Ouais. Et je savais qu'ici à Pignat, il y avait un bel atelier de luthier. Là, tu travailles sur quel instrument? Alors, de c'est une chitera, donc la chitera qui est l'instrument traditionnel corse, à cordes, pincées. Mm-hmm. C'est un sistre. Le cistre que l'on retrouve... Chetera, ça veut dire cistre. Voilà, la traduction de cistre en Corse. Donc là, on voit la une qui n'est pas terminée, là, de Chetera. En tout cas, ça a cette forme-là, un peu de goutte. Voilà, une forme piriforme, comme on dit, donc en forme de poire. C'est toujours des modèles qui sont inspirés de modèles anciens. C'est ça. Tiens, je retrouve une petite... Voilà, là c'est ma marque à chaud, donc Casa Liutaio, ouais. Casa qui est le début de mon nom, Casa Longa, Liutaio qui veut dire luthier. La maison du luthier, voilà. Et parfait. Ici. Et la pomme de pin, qui est un petit peu le symbole du village. Casalonga, j'entends beaucoup ce nom hein, dans le village. J'étais avec Angélique et elle m'a parlé d'un certain Tony, c'est ton papa. Voilà, ce Tony que je n'ai pas encore rencontré, mais qui a fait beaucoup quand même pour le village. Vous êtes tous très attachés à ce village. Ça aurait pu être presque un village fantôme sans ton papa et les gens de sa génération qui ont redonné vie un peu à ce village. Bah, oui, et d'ailleurs, on va rejoindre Jérôme, mon frère, Tony. Ah, enfin, je vais rencontrer Tony. Et on va les rejoindre sur l'Adia, de l'autre côté du village, et puis on fera un petit peu de musique et de chant. Oh là là, quel bonheur toujours d'entendre ces chants. Sympa la petite table d'apéro là avec la vue. Ah ben Hugo, il faut que tu me présentes un peu certains que je ne connais pas là autour de la table. Alors on va commencer par les chanteurs, Claude, ouais. Jérôme. Petit air de famille avec Jérôme, non? Petit air de famille. Hein, on dirait. Il faut deviner. François-Philippe. D'accord. Et Tony, peut-être encore un petit air de famille. Tony, enfin. Le mystère est dévoilé. Oui. C'est un peu votre village aussi. Faut pas croire les histoires qu'on raconte. Et ça vous fait plaisir aujourd'hui de voir qu'il y a des nouvelles générations qui s'y installent comme Angélique? Un peu. C'est pour ça que moi j'avais mon intention, mon objectif, c'est de disparaître au bénéfice de gens comme Angélique. Mm. Alors, ne disparaissez pas trop tôt, s'il vous plaît. Hein. De disparaître, entendons-nous bien. De me dissiper. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. C'est un bonheur hein, de commencer mon voyage ici. Peut-être que l'instrument pourrait accompagner vos voix. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Un chant accompagné? On va
C'était magnifique, elle est superbe cette chanson. Oh, merci beaucoup, hein. Elle est très 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 belle. Accrochés à la montagne, dominant la mer, de nombreux villages de Haute-Corse figurent parmi les plus beaux de France. Si ces bijoux du patrimoine restent bien vivants, ils le doivent à leurs premiers admirateurs, leurs habitants. Les villageois corses sont les gardiens de leur identité. Le Corse aime la vie, il aime chanter, le Corse aime la fête. Des traditions. On est beaucoup dehors, et ce qui fait qu'on se rencontre, qu'on se parle. Et de cette chaleur familière qui les caractérise. Le village le plus beau du monde, c'est où on est né. Dans le village de Servionne, il n'est pas rare qu'une clameur vienne rompre la quiétude des rues pavées. La chorale rassemble une vingtaine d'enfants autour de chansons traditionnelles chantées en Corse. Cette chanson, c'est une chanson chère à notre cœur. C'est quelqu'un qui est loin de son village et qui repense à Tchervyogne, ses ruelles, des enfants qui jouent, les toits de Tchervyogne, le ciel de Tchervyogne. Et voilà, quand on est loin de Tchervyogne, eh bien, elle nous manque énormément. C'est une partie de nous-mêmes. C'est bon, vous êtes prêts? Plus de chewing-gum dans la bouche, pas de main dans les poches, pas de téléphone. C'est bon, allez, les pieds bien droits et on se fait plaisir. La plupart de ces enfants parlent corse à la maison ou chez leurs grands-parents. Dans ces familles, attachées à leur patrimoine culturel, la musique s'invite tout naturellement. Le chant corse, c'est extrêmement ancré culturellement. Le chant corse, c'est pas seulement de la polyphonie, c'est pas seulement des padiers. Le chant corse, c'est aussi chanté comme eux en formation chorale. Alors, il y a énormément de chants corse quand on va au restaurant. Et puis, si vous avez un petit gamin qui est assis à table avec ses parents, il est fréquent de le voir se lever et aller chanter avec un groupe pourtant méconnu. L'ambiance d'un village tient aussi à ses fortes personnalités. Ici, Corinne connaît tout le monde. Elle a participé à la création de Voce Nustrale, la radio du village dans les années 80. Première radio de l'île en langue corse, Voce Nustrale fait le lien entre les habitants. Aujourd'hui, le capitaine des pompiers veut sensibiliser au risque d'incendie. Il vaut une course, il a peur à voir. C'est le bilan de la vie. Il y a plutôt une saison qui s'annonce plutôt se régénérer ou les... Pare ragionevole, però pare ragionevole. Allora ci aspettiamo per un mese a agosto in noi, ma o ben se vuol dire piuttosto, penso di un mese di settembre in noi, un mese di ottobre. Tout au long de l'année, la radio informe et se fait l'écho des préoccupations des habitants. Mais elle a aussi vocation à ce que les villageois se l'approprient, comme on passe dire bonjour à un voisin. Voce Nustrale est une radio très très proche de ses auditeurs, qui en plus est dans un village, et qui très vite a eu un rôle de lien social entre les gens. Les gens s'envoient des chansons, se présentent des vœux, voilà. Donc en plus du côté sérieux de la radio, c'est-à-dire d'avoir ses programmes et ses émissions, il y a ce côté très proche des gens et ouvert à tous. Et pour sentir battre le cœur des villages, il faut aller dans les cafés. Chaque commune a son lieu de rendez-vous ouvert toute l'année. À Servionne, on se retrouve au Z. Quelques notes de musique et la soirée démarre. La Corse est un pays incroyable. Il vit de musique. La musique le nourrit. Et quand il est triste, la musique le soigne.
On chante même une façon de vivre, une façon d'être aussi. Hein. C'est très important aussi. Hein. Dans beaucoup de chansons corses traditionnelles, anciennes, c'est surtout ça. Hein. C'est la vie d'autrefois, c'est les moments qu'on partage, c'est les veillées. Un village qui est un gros bourg, mais qui reste encore un village traditionnel. Ce qui veut dire que c'est un village où il y a une vie également l'hiver. Et vous avez le médecin comme le chômeur, le vigneron comme le musicien qui vont se côtoyer. Et ça, c'est une vraie richesse. Voilà. Très nombreux, mais peu peuplés, les villages de Haute-Corse sont de petits microcosmes où il fait bon vivre. C'est mieux. Hein? C'est mieux, comme ça. Ange-Pierre, bonjour. Bonjour. C'est Sophie. Ange-Pierre, donc. Comment ça va? Ça va. Ah bah écoute, je suis heureuse d'être ici. Oui. C'est le paradis des chevaux, mais pas seulement là, hein, j'ai l'impression. De tout le monde. En tout cas, amoureux de cette nature, là, t'as décidé d'installer ton ranch en plein cœur de cette forêt. Ça fait 25 ans que je fais les chevaux, mais il y a 15 ans maintenant que je suis ici, dans ce lieu. Parce que Alberta, c'est pas ton village d'origine. Je suis à Calagouche, moi. Bon, c'est juste, oui, juste à côté. Oui. C'est le village d'avant. Et parle-moi un petit peu de ce territoire qu'on va pouvoir découvrir ensemble. C'est un lieu un peu à part en Haute-Corse. Hein. Oui, on est un peu à part, parce que déjà, c'est le centre de la Corse, on est en haute montagne, donc c'est un peu différent. Un peu une frontière, hein, en fait. Oui, ici. Si on veut. C'est un peu l'île dans l'île. Mm-hmm. Je m'étais dit que peut-être la meilleure façon de le découvrir, c'était de le faire à cheval. Eh oui, hein, c'est plus facile pour voir les choses. Eh oui. On n'a pas besoin de regarder ses pieds. Ouais, on a un petit peu plus de hauteur, voilà. En plus. Ça, c'est Altor. Est-ce que c'est celui que je pourrais monter? Tout à fait. Il y aura deux autres filles qui nous accompagneront certainement. Il y aura ma fille, ah, aussi. Ah, super. Pour monter au lac. Oui, parce que alors voilà, c'est ce fameux lac que je veux découvrir, le lac de Nino. Ouais. Moi, il me fait rêver, ce lac. J'en ai vu des images et je n'ai jamais eu la chance d'y aller. Donc, on pourra y aller avec les chevaux. Voilà. On est à quelle altitude, là? Ouais, 1000 mètres. Et quand on monte au lac, ouais, on passe à 1883. Et après, on redescend au lac. Donc, on passe presque à 1900 mètres. Allez, on se prépare? Allez, on y va. Chut, et... Voilà. C'est tout beau comme ça. Mais viens, vas-y. Il doit forcément y avoir une technique. Hein. Viens, voilà. Il s'est roulé, du coup, il est tout sale. Parle-moi un peu de ton cheval. C'est un cheval américain, c'est un Pent. Mm-hmm. Il a été vraiment, vraiment très, très proche de moi quand je l'ai eu. Et du coup, maintenant, je peux même le sortir sans rien, à la voix, comme ça, et à la crinière, je peux partir avec sans... Il est vraiment très gentil et très calme. Un cheval de western? Normalement, oui. Ouais. Mais du coup, là, il fait de la montagne, quoi. C'est pas mal. Il s'est adapté à la montagne. Ou alors, c'est le western corse. Voilà, on peut faire aussi du tri du bétail. Il a fait du tri du bétail aussi, un peu, à un moment donné. Opinette. Là vraiment les paysages sont à couper le souffle et j'ai l'impression que c'est qu'un début. Ben ouais, c'est un peu ça. Ouais. Plus on va monter, plus ça va être très très joli.
Déborah, ça me fait plaisir que tu viennes avec nous. Je vois que c'est toi la première, finalement c'est toi la patronne. Calme ta joie, Sophie. Hein. Donc là, on sort de la forêt et on arrive à Boca San Pedro, en fait. C'est la limite nord-sud, en montagne. Donc si tu veux, là, de ce côté-là, tu as la Haute-Corse. Et en fait, passer là le col, de ce côté-là, c'est la Corse du Sud. On est sur le mythique GR20, là. Exactement. Un peu plus de 180 km. C'est ça, hein. Ouais. Et nous, on fait juste une étape du GR. Et donc là, on est encore à combien de kilomètres du lac de Nino? En termes de kilomètres, je ne sais pas trop, parce que je ne compte pas en kilomètres, mais en termes de temps. Tu comptes en temps? Ouais. On est à 1h30. Moi, de toute façon, je laisse faire mon cheval. Il te suit. Je vois que le tien n'a pas de mort, comme celui de ton père. Ouais. C'est des chevaux libres. Très libres. On est ouais. Au plus libre et on est dans le respect du cheval le plus possible. Et ils nous le rendent bien. Okay. Quand on est né dans ces paysages-là, on peut être qu'amoureux de cette nature. Hein. Ah non, mais moi, clairement, je suis passionnée de ma montagne. Que ce soit à pied, à cheval, en escalade, tout. Dès que je peux en profiter, j'en profite le plus possible. C'est plus dur pour nous que pour vous. Vous croyez que c'est facile? Ouais, nous, on travaille, hein, on n'est pas en vacances. Hein. Ouais, mais bon, nous, on vit en vacances, papa. Bah, c'est ça. Toi, t'es éternellement en vacances en Corse. Ouais, c'est ça. De toute façon, les chevaux, ils connaissent le sentier, donc tu risques rien, ouais, même sûr. De nuit. Tu vois où tu on peux passe, y aller les yeux fermés avec tes tu chevaux. Vois, tu vois là-bas où on passe. Allez. Allez. Attention. Eh hey, ouais, pâté. Ok, je le laisse faire. Vas-y, viens. Alors, si tu sais, t'y vas, mon bon. Garde ta main vers la selle, avec okay. Les rênes. Ok. Attention, les enfants. Tu le laisses, tu talonnes par. Nickel. Regarde loin devant toi. Ouais. C'est impressionnant, hein? Allez, ça. Allez. Allez. Voilà, très bien. Voilà la récompense. Donc là, tu as la vue d'en haut avec tous les potines. Qu'est-ce que c'est, ça, exactement? Tu vois, ça fait comme des petits puits d'eau tout le long. Et en fait, c'est les trop-pleins du lac, quoi. Ben, ça se donne vraiment des petits airs d'Irlande, un peu, même d'Écosse. Ouais, on a l'impression d'être ailleurs. C'est un autre monde encore. C'est une des merveilles que tu avais eu envie de faire découvrir à ta fille lorsqu'elle était enfant. C'est le passage un peu obligé, non? Oui, il l'emmenait partout avec moi. Il m'a traîné partout. Tu te souviens d'ailleurs de ces premières fois avec ton père à chaque fois? Ah, je m'en souviens beaucoup. Et c'est nos moments à tous les deux, quoi. Mm-hmm. C'est là où on se retrouve, c'est là où on a toujours été. Ouais, c'est nos petits moments. Faire sa petite baignade dans sa baignoire. Ah, elle est contente, tu vois, elle a fait son petit bain. Ah, Opa, parle-moi, c'est sa coche que j'ai faim, allez, viens. J'en peux plus. C'était une belle promenade, hein, en tout cas. Même plus que ça, quoi. C'est une découverte exceptionnelle. Alors, mais oui. Alors, faut absolument que tu goûtes ce fromage. C'est celui qui est fait à la bergerie là-bas, au fond du lac. Unigno. Commence pas. Il n'y a pas de mieux. Tant que tu le prononces pas bien, tu n'en manges pas. Et ça, c'est de la charcuterie de notre village aussi. Eh ben, écoute, tout est local. Ouais. Quel conseil tu donnes aux randonneurs qui viennent jusqu'ici? Alors, de ne pas sortir du sentier, ouais. Déjà. Parce que s'ils sortent du sentier, après, ça fait des chemins de partout. Et l'hiver, quand il neige ou quand il pleut, ça ravine et il y a plein de pierres qui tombent de partout. Et après, il y a plein de sentiers, tu ne sais plus où tu vas passer. Et donc, ensuite. On reste dans les sentiers. S'il pouvait, chaque randonneur, s'il pouvait enlever 5 pierres, c'est vraiment pas grand-chose. Les mettre sur le côté, sur le voilà. Bas-côté. Ouais. Avec les centaines de personnes qui passent, les sentiers seraient vraiment très propres. Ce qu'on fait, nous, régulièrement. Puis rien laisser après leur passage ici, bien évidemment. Ah oui, non, ça, bien sûr. Ça nous paraît assez évident, mais bon. Ouais. Mais faut voilà, quand même, le répéter. Ouais, je pense que c'est important. Merci de m'avoir fait découvrir votre petit coin de paradis. Ben, ça me fait plaisir que ça t'a plu. Jusqu'ici.
Tu nous as suivis, toi. Tu nous as suivis. Merci beaucoup, en tout cas. La Haute-Corse offre parfois des voyages à l'intérieur du voyage. C'est le cas du Fango, un fleuve côtier long d'une vingtaine de kilomètres, mais qui peut vous emmener au bout du monde. Son delta est une réserve écologique, rien de tel que le kayak pour s'y enfoncer. Anki veille sur le delta depuis 20 ans. Avec Romain, ils entretiennent les berges, organisent des visites au fil de l'eau et surtout, ils s'assurent de la quiétude du site. C'est cette ambiance sonore, justement, qui est agréable. Et si les gens parlent fort, les grenouilles arrêtent de chanter. Là, c'est les grosses grenouilles vertes. Il doit y avoir des poussins là-bas aussi. Vous entendez les petits chants de poussins. Classée réserve de biosphère par l'UNESCO, le delta du Fango est un écosystème fragile qui permet d'observer de nombreuses espèces. Nénuphar blanc, poule d'eau et la star des lieux, la tortue cistude. Le site en compte près de 200, qu'il faut approcher avec délicatesse. Le principe, c'est vraiment de rentrer dans ce petit écosystème sans le perturber, sans le déranger, sans l'abîmer. Cette balade silencieuse, ça permet aux gens d'écouter beaucoup plus. Quand on ne parle pas, on écoute. Et quand on écoute, on se ressource. Et on ressent cette sérénité. Les kayaks sont peu nombreux, très espacés. Les visiteurs se mettent vite au diapason des lieux pour se fondre dans le paysage et observer sa faune abondante. T'as vu quelques tortues, ouais? Ouais, quelques tortues sur les bois flottés et quelques poules d'eau aussi. Ouais. Hein, qui se baladaient avec quelques libellules dans la bouche. Il y avait aussi beaucoup de poissons dans l'eau et c'était agréable aussi. 5 km plus haut, le Fango présente un tout autre visage. Les montagnes prennent forme, la rivière est plus tumultueuse. La roche offre alors des canyons, plongeoires et piscines naturelles propices au canyoning. Jean-Baptiste est guide de haute montagne. Il fait découvrir cette activité en douceur. Ouh, ça va être pas mal là. Alors du coup, là, on va descendre la rivière du Fango, ici. Okay. Là, c'est une rivière où il y a beaucoup de sauts. Donc ceux qui aiment bien sauter, vous allez vous régaler. Et ceux qui n'aiment pas sauter, tous les sauts s'évitent sur le côté. Okay. On peut toujours éviter. Cette portion du fleuve en pente douce rend la descente très accessible. Ces randonnées aquatiques permettent d'évoluer au plus près de la nature, à l'écart des chemins touristiques. Sans oublier les sensations fortes pour les plus téméraires. Il y a des sauts de 8 mètres, faut pas réfléchir. C'est ça le truc le plus important. Tu réfléchis et c'est mort. Donc j'y vais, je profite à fond. Ce canyoning, là, il est peu fréquenté. Nous, le matin, on est tout seul dedans. On est les seuls à le pratiquer. Après, c'est une rivière qui est accessible. Donc forcément, les gens, l'après-midi, peuvent venir se baigner et profiter de ces belles vasques. Mais le matin, on est vraiment les seuls dedans. Ça reste très sauvage quand même. Hein, pour la qualité, pour la beauté de cette rivière, c'est vraiment très sauvage. Le Fango peut aussi se changer en torrent bouillonnant. La rivière prend sa source à 2000 mètres d'altitude, dans les plus hauts sommets de l'île de Beauté. Montestremo domine tous les autres villages de la vallée. Un hameau dont Manuel Angeli habite la dernière maison tout en haut. Accompagnateur en montagne, il connaît comme sa poche les chemins de ce massif. Ici se dissimulent les traces d'une présence humaine très ancienne. Là, vous avez le vieux hameau de Montestremo. Et quand vous voyez des murs comme ça, là, ils faisaient leur jardin, ils allaient chercher l'eau, je ne sais où. Là. Ouais. Vous voyez la vallée du Fango, là, tout était cultivé. Il y avait des jardins de tous les côtés, de l'orge, du blé, des arbres fruitiers. Ouais. Au Moyen-Âge, la vallée du Fango était traversée par les bergers qui descendaient avec leurs troupeaux.
ils ont laissé de magnifiques sentiers de randonnée, peu fréquentés, qui vous plongent immédiatement en haute montagne. C'est des sentiers donc, qui étaient fréquentés avant par des bergers qui transhumaient de la région du Niou jusqu'au bord de mer. Il n'y a pas que le GR20, il y a par ici, il y a des superbes randonnées à faire, beaucoup plus sauvages d'ailleurs. Cette région, ce qui me plaît, c'est qu'on est très proche de la mer et en même temps dans un milieu montagnard, quoi. C'est ça qui fait la particularité. À la fois maritime et montagnard, très sauvage et jalonné de petits villages, le Fango est à lui seul une Corse en miniature. Voilà Jean-Charles. Salut Sophie, ça va? Bah écoute, ça va. Tu regardes notre belle église? Elle est belle, hein? Super, l'église hein? Saint-Michel de Murato, là, qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est magnifique, hein? C'est une église qui a été édifiée donc, au XIIe siècle. Mmh. Deux sortes de pierres la composent, la serpentine et le calcaire. Mmh. Et la légende dit que c'est des anges qui l'ont édifiée en une nuit. Ils ont fait table rase de cette colline et ils l'ont. Ils voilà. l'ont construite. Eh bien, ils ont bien fait de la construire ici, ouais, cette église. Elle est très magnifique. Belle. Bon, Sophie, c'est pas tout ça, mais il va falloir qu'on y aille. Hein. La tournée nous attend. Ouais, tes clients surtout, parce que tu es boucher ambulant et je vais m'improviser petite vendeuse. Allez, impeccable. Alors, ça fait 35 ans que tu es sur les routes, alors? 35 ans, oui. Oh là là, quelle vie! Ouais, bon, une vie, tu vois, quand même. Hein. Hein, je me plains pas. Et tu as toujours préféré avoir une boucherie ambulante plutôt qu'un magasin? Oui, franchement, oui, parce que c'est jamais la même chose, tu vois. Il n'y a pas de lassitude. Tout est différent, l'hiver, la neige, le soleil, puis la pluie, le printemps, l'automne. Alors qu'un magasin, c'est un peu... C'est un peu monotone, peut-être. C'est plus monotone, ouais. Oui. On retrouve traditionnellement beaucoup de commerçants ambulants en Corse. C'est ancré dans notre tradition. Ouais. Du fait de notre territoire accidenté, il y avait beaucoup d'ambulants avant. Mon arrière-grand-père était un ambulant. Mm-hmm. Et si tu veux, il vendait de tout, de la chaussure au chapeau, à l'huile d'olive et au vin. C'était vraiment ancré en nous. Le dragouline, c'était... Comment tu dis? Le dragouline. Dragouline. Il y a une chanson, il y a une belle chanson qui dit... Corse qui dit dragouline, e sotari dose santani, come un fiore di castagno. Dragouline, e sotari do cappello, tairo chudun tidelu. Dragouline, dragouline. Ah, c'est un état d'esprit. On ne devient pas dragouline. On n'apprend pas, on est dragouline ou on n'est pas. On arrive à Murato, chef-lieu du Nebbio, hein. Ouais. Un village avec 650 habitants qui vit au contrario des villages de l'intérieur. J'adore, tu connais vraiment tout le monde. Ben oui, hein. Là, je klaxonne. Hein. C'est pas discret de m'arriver. Klaxonne pour dire aux gens que ça y est. Je pense qu'ils ont bien compris, là, non? Tu crois? Ouais. Bah, écoute. Bon, vas-y. Pas de circulation, appelle. Tu m'as dit de circulation, les gousies. Il y a quelqu'un qui m'a foutu en retard aujourd'hui. Je sais pas de qui tu parles. Je sais pas qui c'est, je mais Je vois bon. Pas de ce que tu veux dire. Elle a Allez. Foutu un bordel. Voilà. Oui, on a de la manger chez. Alors, le lapin.
Oui, de lapin. Vous aviez commandé du lapin aujourd'hui, monsieur? Bien oui. Vous allez le préparer comment? Aux artichauts. Oh tiens, c'est original, oui. Ça. Ça fait longtemps que vous venez vous servir, là, ici? 4 ans. Même pas. 4 ans, ouais. 4 ans qui s'arrêtent dans le village. C'est notre avis, maintenant, hein. Et avec ça, monsieur? J'adore ce genre de phrase. Côtelette de mouton, s'il vous plaît. Je vous mets les plus belles, du coup, monsieur. Ouais. Ça s'appelle Victor, monsieur, voilà. Elle est incroyable, ce chopillon. Je suis l'homme, vous, cher professionnel. Il faudrait les couper, les côtelettes. Ah non, ça c'est l'ancien boucher. Et là ça change entre Adam et toi. Mais non, il doit être bouché avant. Il avait Jean-Jean que tu as vu là, t'as vu. Jean-Jean, moi qui allais prendre. Moi j'allais prendre votre défense, Jean-Jean. Bah défendez-moi. Mais vous êtes-vous le plus beau. Ah, Consacre-toi. Fais rentrer des sous dans la caisse. J'ai un... Ah, pardon. Oui, Sophie. Oui. Maigris un peu, s'il te plaît, parce que. Ça pourra pas continuer longtemps, ça. On passe pas tous les deux. Faut que j'arrête la charcuterie corse. Je le sais, je le sais. Entre autres. Tu vas goûter, Sophie? Excellent. 9,70, mais nous, on a rendu à 10. Hein. Ah, bonjour, là. Baba. Le boucher, il est là. Hein. Oh là là, vous sillonnez les chemins, tout, la route, et les beaux villages de Corse. Oh, mais monsieur, on n'a pas ça, on ne vit plus. On a des œufs frais aujourd'hui, monsieur. Vous n'avez pas besoin d'eux? C'est moi qui les ai faits cette nuit. Alors, c'est presque vrai. C'est plus frais, on ne peut pas. Le CEO m'a commandé les bouchettes. Tout est dans les doutes. On a 20. Allez. Vous voulez tout? On est grosse famille. Vous êtes très gourmand. Ah, ok, eh ben, on vous met tout. Petite chapelure et hop, friture. C'est le poivre. C'est le poivre. Un peu d'ail. Hein. Bon, Sophie, on va faire un bon spuntino maintenant. Un quoi? Un spuntino. C'est un casse-croûte à jeter. Ouais. Et voilà. Ça allez, vas-y, ferme. Allez. Alors voilà, Sophie, tu vois, là, on arrive dans un endroit vraiment emblématique, le but. Oui. Donc, c'est la famille Pastinelli. Bonjour, alors, monsieur. Là, j'ai... Bonjour. Oh là, c'est généreux tout ça. Alors là, vous avez des petits beignets de brocio, de courgettes, de menthe fraîche. Mmh, c'est bon. Après, vous avez des petits miyachi de fromage frais. Là, vous avez un lit de confiture de châtaigne sur une terrine de figatello. Eh ben, on est pas avec ça, on va se régaler quand même. Je crois, hein. Oui. Donc, chacun pique ce qui le tente. C'est voilà. Parfait. Tout, ne me le dites pas deux fois. Tout est savoureux, hein, en tous les cas. Je vois tout, ça. Tout est savoureux et frais. Voilà. Jean-Charles était gentil et généreux de m'accueillir avec lui dans son camion. Je trouve que c'est bien qu'il y ait encore des commerçants bien ambulants. Sûr. Qu'est-ce que vous en pensez bien tous sûr. Parce que c'est ça aussi, hein, le lien entre les villages. C'est grâce à des commerçants comme Jean-Charles. C'est bien que ça existe toujours. On l'a vu d'autant plus avec la période du Covid, où les tragoulines, donc comme lui, ont continué en définitive à maintenir le lien social. Parce que toi, tu vendais de la viande, d'accord, mais pas que. Tu es aussi celui qui donnait les nouvelles, que ce soit dans le Cap Corse, dans le Nébio. Dans les villages reculés, on est le lien social. On monte les médicaments, on fait des commissions, on porte même, je dirais, les fruits et les légumes à la petite dame qui peut pas sortir de sa maison. Quoi, qui peut... Et le jour où on disparaîtra, je pense que ça sera un vide. Il y a une chose magnifique, c'est qu'en plus, chez eux, ça se perpétue. Mmh. Il y a les deux fils qui sont bouchés aussi, tous les deux, et ils ont le même état d'esprit. C'est ça que je trouve génial. Ils sont pas à mon niveau, mais ils sont bien. Ils sont bien. Ah, je vais goûter ça. Allez. Moi aussi. Mmh. C'est bon. Voilà. Après, on va peut-être qu'on reprenne la route, nous, Jean-Charles. Non on va y aller. Hein. Ouais. La tournée n'attend pas. Parce qu'on allez, peut on pas, casse hein. La croûte et on y va. La Corse compte des centaines d'églises. Chaque village a son clocher. Parfois deux ou trois. Partout, une façade colorée vous attire l'œil. Un campanile émerge de la montagne. Elisabeth Pardon s'est prise de passion pour le patrimoine religieux de l'île. Férue d'histoire, elle anime des balades-conférences à la découverte de trésors cachés. Regardez un petit peu. Vous voyez le début du site, hein, voilà. Santa Maria di Rescamon se dresse fièrement au milieu du maquis, à des kilomètres du premier village. Pourtant, il y a 1000 ans, c'était un lieu de vie important. Voilà, alors ça c'est la partie baptistère, et ça c'est la partie donc la plus ancienne.
Les plus anciens vestiges remontent au 5e siècle. Il y avait certainement une occupation ici, quand même, malgré tout, relativement importante. Bon, maintenant c'est désertique, mais il faut imaginer ça, marcher par des tas de gens. C'était la paroisse de tout un grand secteur, d'un vaste secteur. Et donc les gens venaient en nombre se faire baptiser ici. Cet immense patrimoine religieux de Corse compte notamment de nombreuses églises baroques. Saint-Jean-Baptiste de la Porta, construite au XVIIe siècle, est un trésor de cette période. Et regardez comme c'est gracieux tout ça. D'abord, regardez ce décor de Baïna, donc, qui vient avec ses corniches et qui se termine par un décor peint. On ne sait plus ce qui est en volume et ce qui est simplement peint. Ardente défenseuse de ce patrimoine, Elisabeth s'est vue confier les clés de ses églises. Privilège et plaisir supplémentaire pour cette musicienne amatrice, elle se glisse parfois au clavier de leurs orgues. Voilà le soufflet qui se lève. Voilà. Celui-ci date du XVIIIe siècle. L'idée, c'est non seulement de faire connaître les églises, mais de donner des clés pour comprendre ce qu'elles racontent. Je pense qu'on ne regarde bien que ce qu'on a compris. Donc il faut éduquer le regard et réveiller un petit peu la conscience des gens sur ce patrimoine. L'histoire ancienne et parfois tumultueuse de ces édifices réserve de belles surprises. Eva Poli en a fait l'expérience dans l'église baroque d'Omessa. En 2014, la restauratrice fait une incroyable découverte sous le plâtre de ce rétable qu'elle pensait a priori sans grand intérêt. On a vu un petit trou avec une petite couleur foncée. Bon, alors scalpel, petit bout, et les trous s'agrandissent, il y a plus de couleurs. Bon, après, on se prend en jeu et on essaye de savoir où ça va s'arrêter. Après plusieurs semaines de travail, les restaurateurs mettent au jour une fresque du 15e siècle, restée dans un état de conservation exceptionnel. Ce fresque, ce décor que vous voyez là, ça fait 400 ans qu'il était caché. C'est inimaginable. Dans la vie de quelqu'un qui restaure, ça c'est quand même assez exceptionnel. Eva passe le plus clair de son temps à Spelunkato. Dans son atelier, des dizaines de tableaux et sculptures empruntés aux quatre coins de l'île. C'est un jeu de patience. Je ne sais pas combien de fois on y passe déjà. Hein. Elle travaille principalement pour les petits villages. Les Corses sont très attachés à leurs églises et veulent les maintenir dans le meilleur état possible. Les gens qui passent quand je restaure des églises l'été, ils me disent « Mais chez nous, sous les continents, l'église, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Dans les églises des Corses, vous avez tout. » Et pour souder la communauté des fidèles, chaque village peut compter sur sa confrérie. Non, toi tu vas porter la statue. Oh, ah, moi tu préfères le lampion ou la statue? Depuis le Moyen Âge, les confrères témoignent de leur foi en organisant des cérémonies religieuses. On te met à la statue. Pourtant, aucun d'entre eux n'est prêtre. Ce sont de simples croyants. Être confrère, c'est un engagement. On s'est donné avant tout de sa personne. Les deux premiers commandements de la confrérie, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Je suis rentré essentiellement au tout début par le plaisir du chant, l'attrait du chant. Les confrères chantent la Pagliella, le chant polyphonique corse qui rythme les messes. Nombreuses et richement décorées, les églises de Corse, pour rester bien vivantes, peuvent compter sur une communauté dévouée.
C'est agréable, Alessandro, de se balader dans ces petits sentiers de randonnée de Castanitch. Et je suis bien contente d'être ici avec toi, Alessandro, parce moi que aussi. Tu connais bien cet endroit et je sais que là, moi qui suis curieuse de découvrir les villages de Haute-Corse, tu vas me faire découvrir un village assez atypique. Oui, c'est un peu le lieu de mon enfance dans cette rivière-là. J'allais me baigner un peu avec tous mes amis. Ici, on est dans les hameaux de Tavagne et là, on est en train de monter à Fuminal, qui est un village qui est assez atypique, comme je disais. Aujourd'hui, c'est devenu un village, on va dire, fantôme. Mais alors, qui on va rejoindre là aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va rencontrer mon ami Jean-André Santini, qui fait un peu office de résistance face à la désertification de ce village. Il habite là-bas tous les étés. Et, on va chercher un produit qui va me servir à la recette de demain. Oui, parce que alors, toi, tu es chef hein, ici et tu aimes aller chercher tes produits directement chez les producteurs. Et je crois qu'au-delà de ça, c'est surtout parce que c'est un ami. Oui, ouais. C'est un ami. C'est un ami. Et puis, je trouve que les... On a tellement de richesses et de variétés de produits ici en Corse que c'est important d'utiliser ces produits parce qu'ils nous donnent vraiment un caractère, une identité dans notre cuisine. Tu trouves ton bonheur là à chaque fois au bord des sentiers? Oui, à chaque fois qu'on va faire des petites promenades et on en trouve de l'origan sauvage, de la nébe, des petites herbes intéressantes. J'ai grandi dans les années 80 en Italie. Dans les Pouilles, à Lecce. Et donc j'ai eu la chance d'avoir cette culture du goût où on avait des produits qui étaient purs et qui a un peu éveillé mon palais et aussi qui m'a ouvert un peu le goût à toutes ces saveurs. Ça donne envie de faire la sieste. On n'a pas le temps de faire la sieste, ton ami nous attend. Une petite baignade. Soit la sieste, soit une baignade, ouais, c'est ça. Ah voilà, les premières maisons. Voilà, Fuminal. On s'est fait une petite trotte, mais ça vaut le coup. Ah oui, ça vaut le coup, c'est sûr. Salute. Bonjour. Ça va, Jean-André? Bonjour. Ça se mérite d'arriver jusqu'à toi. Ben oui, hein. Je suis complètement essoufflé, mais je suis très heureuse de te voir. Ça se comprend. Alors, tu fais le trajet combien de fois par semaine, toi? Ben là, deux, trois fois pour le ravitaillement. Hein. Par semaine? Par semaine, oui. On essaie de... Lui, il transpire plus. Hein. C'est ça. Bon, après, regarde comme il est frais, lui. C'est l'air du village, ça. Voilà. Pendant que je reprends mon souffle, tu ne veux pas me raconter un peu l'histoire de ce village? Donc ici, nous sommes au hameau de Fiuminal. C'est un petit village de Castanitch, hein, typique, qui a été abandonné progressivement dans les années 50. Il y a combien de maisons alors dans ce village? Là, il y a une... 7-8 maisons, parce qu'il y avait, des maisons d'habitation, et ensuite il y avait des séchoirs à châtaignes, hein, voilà, qui n'étaient pas habités toute l'année. Voilà. Qu'est-ce qui explique que toi tu sois aussi attaché à ce village? Eh bien, moi, c'est ma famille a vécu dans cette maison pendant une trentaine d'années, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir la racheter, de la réhabiliter. Voilà, c'est ce que je fais depuis une quinzaine d'années. Mais tu vis tout seul ici? Non, je suis avec ma famille, voilà, et bon, et puis mes bêtes, bien entendu. Oui, t'as une famille élargie, troupeau, c'est ça? Voilà, donc mon troupeau de chèvres, qui est ici en transhumance, à la montagne, et que je ramène régulièrement pour les traire et faire du fromage, là, encore un mois, si tout va bien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Eh bien, moi, je vais aller chercher les chèvres, et puis vous m'aiderez à les traire. On fait ça. Allez. Allez, je te prends ça, moi. En tout cas, elles sont très, très belles. Hein. Bon, merci, merci du compliment. Ah oui, vraiment. Oui, c'est de vous que je parle. Vous êtes très belles. C'est un animal auquel on s'attache hein, quand même, non? Ah oui. Toi, ça fait combien de temps, du coup, que tu l'as, ton troupeau? Ben, ça fait bientôt 15 ans. Hein. Oui. T'as commencé comment? Avec combien de... Ah ben, de j'ai acheté un troupeau de suite. Hein. Ouais. Et le métier de berger, ça s'improvise pas quand même. T'as appris comment? J'ai appris sur le tas, hein, après les conseils des anciens. Dans la famille, y a des cousins de ma mère qui étaient du métier et qui sont toujours du métier. Et qui m'ont donné des précieux conseils. Hein. À l'époque, un peu tout le monde avait des animaux, non? Oui, et puis dans, bon, c'était un peu dans chaque famille, il y avait les chèvres, les cochons. Tout à fait. Il y a une petite file d'attente, hein,
en fait, pour la traite, là. Ouais, enfin, si on peut dire un petit peu de boulot, ça. Là. On peut dire ça, oui. Faut avoir un sacré coup de main. Et le rythme, t'as vu? En rythme. Tac-tac-tac-tac-tac-tac. Elles te font du bon fromage, alors? Il paraît. On essaye, du moins. On est monté jusqu'au village pour t'en acheter. J'espère qu'il est bon. Bon, mais tu vas descendre les fromages, alors, pour... Je m'en doutais, pour ma fameuse recette. Voilà. T'en as d'autres à descendre pour les voisins, pour les copains. Oh, on en descendra un peu, déjà, pour faire les beignets demain, pour faire une petite recette. Après, je suis très jaloux de son fromage. Hein. Voilà, ça c'est pour toi. Ça c'est une belle commande. Merci Jean-André. J'étais en train de regarder cette photo là, Jean-André, je te reconnais là. Oui, là c'est, bon. C'est les copains qui sont venus ça, t'aider. Ça c'est les amis lorsqu'on a rénové la chapelle. Ah, oui. Donc là, ben, c'était au tout début. Hein. Et là cette photo aussi, elle est très touchante. De cette voilà, dame, ça c'est la tante de ma mère, ma grande-tante, à l'époque où ils vivaient ici dans cette maison. Et ça c'est la maison lorsqu'elle était abandonnée. Hein. Ouais, quel boulot. Voilà. Ouais. En tout cas, ton fromage, il va avoir une saveur particulière hein, maintenant que je connais ton histoire. Oui. On pensera à lui demain. Ouais. Exactement, on va faire une bonne recette. Tu vas goûter les miyachos qu'on a faites. Ok. Ouais. C'est bon, c'est une petite crêpe à base voilà, de fromage. Ça, c'est une petite crêpe. Bon, on les fait en beignet, sinon on les fait comme ça. Voilà. Ça va nous donner des forces pour redescendre, ça. Hein. Oui. Faudrait peut-être qu'on redescende avant la nuit, d'ailleurs, non? Il va falloir qu'on parte dans pas longtemps. Alors, on va y aller. Merci pour ton accueil. Eh ben, tout le plaisir était pour moi. C'est toujours un plaisir d'accueillir des gens ici. Vous reviendrez. Oui, surtout pour les miettes, là. Surtout pour te rencontrer. Surtout pour te rencontrer. C'est l'histoire d'une renaissance. Isolés dans la montagne, les quatre villages de la vallée du Gyuntsanyi auraient pu dépérir lentement. Mais ces dernières années, des jeunes reviennent. Allez les filles, on y va! Comme Nicolas, récemment installé à Olmikapel. Après une première vie dans la marine, le jeune homme est tombé amoureux de ces montagnes vierges et de la vie au grand air, au point de devenir berger. En Corse, le pastoralisme, c'est un peu mythique. Enfant, c'était vraiment un rêve et c'était fascinant. Fascinant, ouais. Cette image du berger dans le maquis, c'est vrai que c'était quelque chose de spécial. Ouais. Ça redynamise un peu le village parce que ça fait 40 ans qu'il n'y avait plus de bergers sur la commune. Et à l'époque, les bergers étaient des nomades, donc ils passaient l'hiver et le printemps en plaine, au bord de mer, et ils remontaient que l'été. Donc là, c'est vrai que nous, ça fait une activité sur toute l'année. Au village, sa femme Marie-Ange s'occupe de la transformation. Elle fabrique notamment le brochu, ce fromage frais emblématique de l'île. J'ai mis 3 passoires pour enlever le plus possible de cahiers de fromage. Elle, qui était commerciale, a dû apprendre un nouveau métier. Mais son changement de vie s'est fait facilement grâce à son nouveau village, parfait pour une famille. Le village d'Olmikapel, il y a quand même l'école qui est là, donc une petite école rurale. Il y a la poste, donc il y a un syndicat mixte qui s'occupe des 4 villages. Donc ça booste tout ça. Il y a les sapeurs-pompiers, donc ça, il y a les sapeurs forestiers aussi. Il y a pas mal de petites activités qui font que ça bouge. Marie-Ange affine toute l'année 4 variétés de fromage qu'elle vend aux restaurants et aux touristes de passage. Celui-là, il n'est pas beau. Il n'est pas beau, mais il est bon. Ce petit coin de Haute-Corse profite d'un nouveau souffle depuis 20 ans et l'arrivée d'un festival de théâtre. C'est un enfant du pays, le comédien Robin Renucci, qui a créé les rencontres de l'Aria. Faites des actes, des artefacts, des choses que vous mettez hors de vous. 3 semaines de spectacle où les professionnels échangent librement avec le public. Un magnifique coup de projecteur pour le Gyuntsanyi. L'Aria dépasse désormais allègrement les dates de son festival. Toute l'année, visiteurs comme habitants des villages voisins y découvrent le théâtre. Je vois son t-shirt. Moi, c'est basket. Ses enfants préparent un spectacle pendant 3 semaines.
Regardez autour de vous. Et là, d'abord, je veux vraiment vous voir regarder autour de vous. Mais je vois... Toi, tu vois un arbre? Oh, un arbre. Lui, il voit un papillon. Oh, un papillon. Oh, regarde la montagne. Ah ouais, la montagne, la montagne. Ces deux amis ont traversé la Corse pour un stage à l'ombre des châtaigniers. Un cadre qui invite au lâcher prise. Non. J'ai peur que ça soit trop lourd. Arbre des montagnes! Arbre des villes! Je vous aime! Arbre des mondes entiers! Je vous aime! Arbre des montagnes! Arbre des villes! Arbre de toutes les couleurs! Quand on rencontre le lieu, on n'a qu'une envie, c'est vrai, c'est d'y revenir, quoi. Puis si on aime la nature, c'est vraiment une chance de pouvoir jouer dans un cadre comme celui-ci. Grâce au succès du festival, la Petite Vallée s'est dotée d'infrastructures dignes des grandes métropoles. Ce gigantesque cube de bois, à Stazzonia, la Forge en Corse, est un lieu de création. C'est là où il y a tout le costumier et la grande salle, donc on va passer déjà dans le costumier. Serge Nicolai est le directeur artistique des lieux. Donc voilà, c'est là où on... c'est le domaine des acteurs. Toute l'année, il accueille en résidence des artistes venus de Corse et d'ailleurs. On passe dans la grande salle, notre outil. Voilà. Coupé du monde, mais doté d'un outil de travail de haut niveau. Les comédiens profitent des conseils de metteurs en scène chevronnés. C'est vraiment un outil de travail assez exceptionnel. Où on est loin de tout, le téléphone passe pas. C'est génial, voilà, d'être... Puis bon, quelle salle, quoi. Et à partir du moment où on passe par cet endroit pour faire de la création, on a aussi une reconnaissance derrière qui nous soutient, qui nous épaule. En quelques années, l'Aria est devenu le principal lieu de création théâtrale en Corse. C'est un peu comme le texte de Jean Giono, l'homme qui plantait les arbres. Bah, au départ, on se dit, c'est un peu, qu'est-ce qu'il fait? Il sème des glands à tout va. Et puis, au fur et à mesure des années qui passent, finalement, le terrain change, la vie reprend, les maisons se réouvrent. Et là, on est vraiment là-dedans. On est dans ce côté magique qui, par la culture, on réussit quand même à redonner vie à une région qui était en train de mourir. Accueillir de nouveaux arrivants tout en gardant l'âme de ces villages. La vallée du Giussani a peut-être trouvé l'équilibre parfait pour assurer son avenir. Pinta de Casinca, ça c'est le bonheur. Je ne pouvais pas quitter la Haute-Corse sans passer par ce village. Il est tellement pittoresque. Ouais. J'adore. C'est un village qui fait partie du canton de Vescovato. Et c'est vraiment un des plus beaux villages de ces 7 communes qui composent ce canton-là. Ouais. Et puis, je trouve qu'il y a un petit charme un peu italien, avec ces persiennes, ces femmes qui regardent par la fenêtre. Eh bien oui, ça ressemble beaucoup à l'Italie, beaucoup à la Toscane, mais aussi des traits de Sud-Italie. Ouais. Ça me rappelle un peu chez moi. C'est méditerranéen, on a un peu... les mêmes valeurs, les mêmes traditions, donc ça se vaut. Quoi. Ouais, et le sens de la famille. Hein. Exactement, beaucoup. Et ton restaurant, alors, tu ne l'as pas installé ici, hein, au cœur de ce village, mais un tout petit peu plus bas, dans la vallée. Oui, dans la vallée, dans la plaine, et je lui ai donné l'ancien nom, justement, du village qui était formé de Pinta di Casinca et de Ivuletti. Mm-hmm. Il s'appelle donc Ivuletti. Ivuletti. Donc on est en bonne compagnie là, Alessandro. Eh oui, on est en bonne compagnie de mon ami Ernesto et de ma maman. Ah, je suis contente de vous rencontrer. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que quand il était petit, il était tellement bien avec vous qu'il n'arrivait pas à quitter le sein. C'est vrai. C'est elle qui m'a inculqué un peu le savoir culinaire et tout. Ouais. Et aujourd'hui,
Ernesto. Ernesto et maman, ce sont des personnes qui sont des bibliothèques un peu de notre restaurant. Maria, quelles sont les premières saveurs que vous avez voulu faire goûter à votre fils? On fait cuire les pois chiches. On mettait de l'huile d'olive et des miettes de pain. J'ai donné ça, elle a dévoré ça, elle a commencé à manger. Et voilà, et ça y est, après il a commencé à manger ce livre, les pois chiches. Alors là, ça va pas être des pois chiches, on est parti sur les gnocchis, c'est ça? On est parti sur les gnocchis qu'en Italie on appelle le gnudi, mm-hmm. en fait. C'est une recette de Toscane où on mélange les épinards et la ricotta. Mais vu qu'on est allé à Fiumicino, la ricotta est un peu similaire que le broche, donc on l'a fait avec le broche. Un petit mélange entre cuisine italienne et cuisine corse pour rester cohérent. Mm-hmm. Vous apprenez les gestes? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se mettre de la farine sur les mains, un peu de farce, on se fait une boulette. Okay. Après, on les pose et on fait un petit... Maria, vos recettes, elles ne sont pas écrites. Vous les avez en tête, elles se transmettent par la parole, non? C'est ça, par les gestes, par la parole, surtout par les gestes. Ouais. Et puis en Italie, on aime parler avec les mains, donc... Ici, nous avons une chips de pain qui va amener le croustillant. Je vais mettre mon cabri de Fiumicino à l'intérieur avec sa réduction à l'aigre douce. Comment il s'en sort? Oui. Bien? Il n'est pas trop fort pour les compliments. Tu as eu droit à un ouais. Quand il fait mal, il sait que je lui dis tout de suite. Oh là là, Maria, regardez. C'est un artiste, votre fils. C'est ça, surtout, un artiste. Je n'arriverai jamais à dresser les assiettes comme lui. Et voilà. Bravo. Bravo, bravo, chef. Bon, allez, tout le monde à table. Oh, mais la famille s'est agrandie! Il y a les petits aussi! Tout le monde prend place! ils t'ont piqué la tienne! c'est ton fiston? Ça, c'est mon fils, j'ai un deuxième qui s'appelle Vite, et ça, c'est ma petite nièce qui s'appelle Sophia. Et la famille? Voilà, qui veut goûter en premier? Mais ça va être un futur chef! Apparemment, oui, c'est bien parti. Ernesto, je suis désolée, je mange avant vous, je goûte avant vous. D'abord, les femmes. Si j'en dis, Ça te plaît alors? C'est délicieux. Parfait. Ernesto, vous êtes d'accord, hein? C'est très bon. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Alessandro. Hein. C'est parfait. Merci à toi. C'est ça que j'aime ici. Hein. C'est ce moment de partage, comme ça, en famille, autour d'une table. Ce que j'aimais, c'est le partager avec toi aussi, c'est ce petit moment. Merci, Alessandro. Merci beaucoup. Mela Geli Benedetti, chi si lasciano i detetti, e Pogodino le disfate, e Pogodino le disfate. Voilà, il est déjà l'heure de nous dire au revoir, de balade à la Castanice en passant par le Nebbiou, le Gnolou ou la Casinca. J'étais très heureuse de me balader avec vous de village en village en Haute-Corse. J'aime ce patriotisme géographique qui rend cette île si attachante. Les Corses sont parfois taiseux, souvent passionnés, mais toujours très généreux. Que ce soit Alessandro, Angélique ou Déborah, ils m'ont vraiment transmis leur amour pour cette île. Et si jamais vous venez ici et que vous croisez Jean-Charles sur votre route, notre boucher ambulant, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûre qu'il aura un petit peu de charcuterie corse à vous faire déguster. Si vous le souhaitez, nous pouvons nous retrouver sur France.tv. Et puis n'hésitez pas à nous donner de vos nouvelles sur les réseaux sociaux. Allez, après tout, je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages.